Garance et moi avons été surprises d'apprendre qu'à l'élection présidentielle de 2012, 20% des Français s'étaient abstenus et qu'à celle de 2007, on comptait environ 16% d'abstentionnistes inscrits sur les listes électorales, donc un plus grand nombre encore qui n'avaient pas voté. Mais nous avons été encore plus surprises de voir que les taux d'abstention des jeunes aux deux dernières élections présidentielles étaient 28% en 2012 et 20% en 2007. Nous avons donc décidé de profiter de l'occasion du TPE pour se renseigner et pouvoir répondre à la question suivante. Pourquoi existe-t-il de telles différences d'engagement des jeunes concernant la politique ? Nous nous sommes donc posé ces questions, et pour obtenir les réponses, nous sommes allés à la rencontre des jeunes dans la rue, dans notre entourage, ainsi que des adultes ayant une opinion sur la question. La plupart de ceux que nous rencontrons spontanément ne semblent pas très concernés. Nous leur avons demandé s'ils étaient politiquement engagés. M'engager en politique, non. Après, s'y intéresser, oui. Non. Je ne m'engagerai pas, j'ai mes opinions, mais je ne m'engagerai pas. C'est pas un sujet qui m'attire, enfin je n'y connais rien en politique. Alors, j'ai jamais vraiment milité, si tu veux, je suis jamais allé dans une manif ou un meeting, mais je pense que je suis assez concerné par les élections de municipales 2014. Et je pense que j'irai à un meeting de l'UMP. À l'image de Thomas, serveur dans un café du boulevard Saint-Michel, tous les jeunes à qui nous posons la question paraissent être très loin de toutes les préoccupations concernant la politique, en grande partie parce qu'ils ne voient pas en quoi ça changerait leur vie. Si vous, après-demain, ça change ma vie, ouais, si, là, je m'intéresserai plus. Mais, pour mais moi, t'as conscience que ça peut changer la vie de plein d'autres gens. Ouais, les gens, je m'en tape déjà dans la galère, il n'y a personne qui va m'aider. Ou... Mmh. Ouais, je sais pas, mais... Tu regardes des émissions, je sais pas, ou des débats politiques, des trucs comme ça ? T'as pas le temps ? Ouais, je travaille 7 jours sur 7. Après avoir recueilli ces témoignages, nous cherchons à savoir si le cadre familial et social influe autant que nous le pensons sur les opinions politiques des jeunes. Dans un de ses articles, la sociologue Anne Muxel explique que parmi les 18-21 ans, les étudiants sont les jeunes qui manifestent le plus d'intérêt pour la politique. En effet, les étudiants sont 48% à déclarer s'intéresser à la politique, contre 25% des actifs et 21% des chômeurs. Faire des études, en effet, ça prédispose à... Ça aide à exercer son esprit critique, donc par nature, ça... aide à forger une conscience citoyenne. Selon Pierre Bréchon, directeur de recherche au CNRS et professeur de sciences politiques, il y a une forte diversité selon l'âge de l'arrêt des études. Ainsi, il remarque qu'en 1999, sur 100 jeunes de 18 à 25 ans, 56% de ceux qui ont arrêté leurs études avant 17 ans ne parlent jamais de politique entre eux, contre 37% de ceux qui ont arrêté leurs études après 21 ans. Mais le cadre familial joue-t-il un rôle si important ? J'ai forgé ma propre opinion quand j'avais à peu près 14-15 ans. Donc c'était pas si longtemps que ça, mais avant je suivais beaucoup plus ma mère. J'essaie de me forger un esprit et vraiment d'imaginer la France de demain. Le réflexe d'aller voter n'est pas forcément donné dans toutes les familles. Et, oui, dans beaucoup de familles, la plupart des gens se disent que notre situation ne va pas être améliorée si on va voter. Et donc ils n'apprennent pas à leurs enfants. Par exemple, que c'est important, que c'est un truc civique qu'il faut faire. Je pense que l'éducation familiale joue un rôle certain dans la prise de conscience politique, en fait, des adolescents. Parce que les discussions autour de la table familiale sont de nature à éveiller justement l'intérêt. Le fait que les parents lisent aussi la presse ou suivent des émissions politiques à la radio ou à la télévision. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les enfants prennent le même chemin politique que leurs parents. Le rôle de la famille consiste aussi, tout comme celui de l'école à travers l'éducation civique par exemple, à apprendre aux jeunes qu'il est important de voter, donc de s'inscrire sur des listes électorales. Il y a pourtant 15% de mal inscrits, c'est-à-dire des électeurs qui ne sont pas inscrits à la bonne adresse, et 7% de non inscrits, que ce soit par oubli ou par volonté. Nous nous intéressons donc aux causes du désintérêt des jeunes pour la politique. La principale cause du désintéressement des jeunes à la politique, c'est peut-être qu'on leur promette tout le temps des choses et qu'on les tienne pas. Mais ce désintérêt ne semble pas inquiéter les spécialistes auprès de qui nous sommes informés. En effet, selon la sociologue Anne Muxel, les jeunes ne sont pas dépolitisés. Plus informés, ils sont plus critiques et exigeants que leurs aînés à l'égard des politiques. Ou encore Paul Thibault. Il n'y a pas d'élan politique parce qu'il n'y a pas de proposition politique. Et ça, c'est pas leur faute. C'est la faute de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir et de l'opposition, d'ailleurs, tout aussi bien. Sentiment, parce qu'on vit des temps
difficile en termes de crise économique, et donc les marges de manœuvre politique sont réduites par les contraintes économiques. Ils ont le sentiment que plus rien ne peut être fait et que, quel que soit le bord politique dont se réclament les prétendants à l'élection, ils sont tous pareils, quoi. Donc c'est ce qu'on peut appeler, c'est une sorte de poujadisme, en fait. Pourquoi est-ce que les jeunes ne touchent pas de travail aussi ? Parce qu'ils ne savent rien faire. Moi, j'ai une interprétation. Je pense que ça fait peut-être longtemps qu'en France, nous vivons... D'abord, nous vivons en paix. Il n'y a pas eu de guerre, de conflit majeur depuis la fin de la guerre d'Algérie, en gros, hein, depuis donc 50 ans. Et sans doute, les citoyens ne se rendent-ils plus bien compte de l'importance de ce que ça peut... de ce que c'est que le droit de vote. Grâce aux syndicats étudiants ou aux associations étudiantes, les jeunes peuvent partager leurs convictions et se créer leurs opinions politiques en échangeant avec d'autres personnes de leur tranche d'âge, issues de différents milieux sociaux. Dans les milieux professionnels, les jeunes qui, par exemple, sont en apprentissage, rencontrent, par exemple, le syndicalisme. Et ça, c'est quelque chose qui peut leur permettre d'approcher un engagement politique. Qu'en est-il des jeunes qui accordent beaucoup d'importance au droit de vote ? Pierre Bréchon affirme que les jeunes sont moins politisés mais plus protestataires envers les situations qui leur semblent injustes, comme les expulsions de sans-papiers, la réforme des retraites ou le CPE. Mais de nombreux mouvements jeunes existent, tels que les jeunes populaires, le mouvement des jeunes socialistes ou alors le mouvement français des jeunes communistes, qui est le plus ancien. Mais comme l'a écrit Anne Muxel, s'il renvoie dos à dos la gauche et la droite, les jeunes identifient en revanche les extrêmes comme étant la seule force politique à partir de laquelle se structure le débat. Voici Lucas, Nicolas et Dylan qui font partie des leaders de leurs mouvements respectifs situés aux extrêmes de l'échiquier politique. Quelle planète est-ce que nous, jeunes, on aura quand on sera adulte dans 50 ans ? Comment est-ce qu'on voit notre avenir ? Comment est-ce que l'écologie peut nous apporter des solutions pour nous, pour notre stabilité dans l'emploi, pour trouver un logement, pour avoir des ressources décentes, pour pouvoir vivre dans un environnement préservé, pour pouvoir nous nourrir de manière satisfaisante ? Toutes ces questions-là, l'écologie, elle apporte beaucoup de réponses, quoi. À 15 ans, à 16 ans, je pense en effet que les jeunes sont responsables et savent pourquoi ils descendent dans la rue. Ils sont soumis directement, plus qu'ailleurs en France, au principal problème qu'on a. Et ils perçoivent les dangers qui nous menacent, ils perçoivent les dangers qui menacent leur avenir. Et à partir de ce moment-là, ils placent leur espoir dans le front. Ils reviennent vers le Front National. Ils reviennent faire le Front National pour la sécurité, contre l'immigration également, et sur le pouvoir d'achat, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a que nous qui prenons la préférence nationale et qui demandons à ce que la France soit souveraine. Tous ces jeunes s'y impliqués en politique se sont sans doute un jour laissés convaincre que militer était important, mais que surtout, voter était essentiel. La grande partie des jeunes que la politique ne touche pas et qui ne comprennent pas que voter est un devoir civique sont au cœur de maintes programmes de sensibilisation, en France comme à l'étranger. Le Québec, par exemple, qui traverse une grande crise d'abstentionnisme. Maintenant, je sais comment voter. C'est simple, c'est important. Voter, c'est un privilège, c'est une façon de prendre la parole, genre « je vote pour un tel, je vote pour une telle ». Mais c'est mieux de voter dans l'isoloir que de crier. Faut pas oublier que chaque vote compte. Je le fais pour mon avenir, mais surtout, je le fais pour l'avenir de mon enfant. Dernières élections fédérales, seulement 37% des jeunes ont voté. Et même les artistes français appréciés par les jeunes s'y mettent. Vote à gauche depuis toujours, je continuerai. L'important, c'est d'aller voter et de prendre conscience qu'il faut prendre son... que la conscience politique, c'est un bien précieux, qu'il y a des gens qui sont morts pour le droit de vote et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de déconner avec ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas conscience de cette arme dans les banlieues. Mais le jour où on comprendra que voter, c'est vraiment la seule chose qui nous reste, et bien là, on deviendra une arme de persuasion pour l'État français. De notre point de vue, les jeunes ne développent pas un rapport indifférencié à la politique. Et s'ils peuvent être en retrait du jeu électoral, ils peuvent aussi être des acteurs au premier rang de la mobilisation collective. Et qui sait, peut-être un jour déciderons-nous de refaire comme en mai 68. Les jeunes veulent en fait réconcilier terrain d'idées, action. Ils aspirent à un retour à l'éthique politique et prônent l'engagement, la vérité et l'humanité.